Hey, Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maison moderne facile à réaliser sur Minecraft. C'est celle que vous avez derrière moi. Et avant ça du coup je vais vous teaser un petit peu, hein, vous voyez, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai fait des vidéos récemment, voilà, sur tutoriel pour réaliser cette maison là par exemple sur Minecraft, pour réaliser une église là-bas. Tout ça c'est des vidéos qui sont déjà parues et donc... Pour la prochaine vidéo aussi, la prochaine tutoriel qui arrivera sur la chaîne, ça sera une maison moderne, qui est celle que vous voyez là-bas, je vous la tease un peu, tu vois. Et après, il y aura même un immeuble. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on va se retrouver sur cette maison-là. Je te fais un petit peu le tour de cette maison. Donc, c'est une maison facile à faire, vraiment, avec des formes assez simples. Des matériaux aussi assez simples, très vitrés, comme ça, il y a beaucoup de points de vue différents. Comme ça c'est pratique. Du coup voilà, on va commencer en fait, hop, avec la cobblestone, avec cette partie là de la maison, hein, qui est en fait la partie où il y a l'escalier qui permet d'aller à l'étage, hein. Ok, voilà, et donc on va faire ça. Alors en premier lieu du coup on va faire 5 blocs, tu vois, de cobblestone comme ça sur le sol, d'accord. Par là-bas, du coup, on va faire 20 blocs de cobble, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, d'accord. Puis après, on va combler, hein, évidemment, le rectangle, et l'ensemble de tout ça, on va le monter jusqu'à 10 blocs de hauteur, ok. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, donc tout ça, là, on va le monter, hop, à 10 blocs, youp. Si j'arrive jusqu'au bout, là c'est bon, ok. Là j'en ai un de trop, ok. Et il va falloir remplir tout ça de cobblestone. On taillera dedans après parce qu'il y aura tout le dessus et tout le côté là-bas où on va enlever la pierre. Mais ça on enlèvera plus tard, hein, on va pas s'embêter. Une fois qu'on a fait ça du coup, hein, on va juste laisser l'ouverture sur le dessus. On va mettre directement cette partie-là sur le côté de la maison. Et on va directement utiliser le quartz, les blocs de quartz, comme ça, ok. Et on va partir du bas. Par exemple, sur l'avant, on va prendre 2 blocs par l'arrière, tu vois, donc à partir du 3e bloc. Et on va compter 4 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, ok. Et sur le 5e, on a ça. D'accord, donc on a notre premier bloc à ce niveau-là, ok. Et on va le faire aller jusqu'à 5 blocs, comme ça, sur le côté de notre pilier en cobble. Donc là, on a 4, 5. Ok, à partir de ce bloc là, on va monter de 5 blocs sur la hauteur, donc 2, 3, 4, 5, et on va revenir sur le pilier en cobble. Donc il y a encore un bloc de marche par rapport au dessus, ok. Et donc bah, en fait cette forme là, on va la prolonger sur toute la longueur de notre mur en cobble là, ok, jusqu'à arriver à l'autre côté en laissant 2 blocs de marge, un peu comme le côté qu'on vient de faire tout simplement. Youp. Hop, alors du coup, on va essayer de reprendre la même forme, tant que faire. Et on va combler complètement les vitres. Le vide, hein, plutôt. Ok. Donc voilà, hein, on a notre partie de la maison sur le côté qui est faite, en tout cas d'un point de vue de l'armature. Hein. Ok, donc on va reprendre l'autre côté du coup de notre pavé en cobble. Et on va se mettre à la même hauteur que pour le plancher de cette partie-là, tu vois. Ok, et de ce côté-là du coup de la maison, on va dire que c'est l'avant, hein, on va déplacer un bloc, tu vois, de quartz vers l'avant de notre pilier en cobble, d'accord. On va aller jusqu'à 14 blocs de largeur par là-bas, d'accord. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Puis après, de l'autre côté en fait, on va aller jusqu'à 2 blocs à l'intérieur, tu vois, on va laisser 2 blocs de marge, on va mettre un bloc ici, et on va combler... la plateforme ici, tu vois, en bloc de quartz, du coup, on se met à la même hauteur qu'en face, et on relie les deux. Youp. Ok. Voilà. Donc normalement, on a ça, ok, et on va pouvoir compléter la plateforme. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va faire directement la plateforme qui va être au niveau du dessus, hein, qui va faire le toit, finalement, de la maison. Et cette fois-ci, on va prendre l'arrière de la maison, tu vois, on va reprendre notre bloc ici, tu vois. Et donc, on va aller jusqu'à 4 blocs de hauteur, donc à un bloc en dessous du niveau du pilier en cobble, et à 3 blocs, comme ça, de décalé par rapport à la plateforme d'en dessous, tu vois. On va laisser 3 blocs de marge, d'ailleurs, j'en ai mis un trop, ok. Et on va mettre notre bloc ici,
Et du coup, on va faire une plateforme qui va venir sur toute la longueur ici comme ça, et qui va reprendre exactement la même proportion que pour le reste en fait. Il y a juste cette bande-là, tu vois, de quartz qui va être différente. Mais finalement, tout le reste va être à la même taille, donc on va hop, faire la même chose que ce qu'il y a au niveau du dessous. Ok. Voilà, et on va pareil, on va compléter cette plateforme là aussi. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va directement mettre le toit en place, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'herbe, ok, comme ça, sauf qu'on va l'intégrer dans le toit, tu vois, pour que l'on puisse mettre de la verdure, des herbes directement sur le toit pour faire un truc un peu moderne. Et donc l'idée, ça va être de mettre, comme tu peux le voir sur le modèle, 3 blocs, tu vois, de marge par rapport au bord du toit, de chaque côté. Alors c'est vrai que moi pour le coup mon modèle je l'avais fait en neige, mais c'est vrai que ça passe mieux en quartz du coup parce qu'on va utiliser aussi des demi-blocs. Donc ce qu'on va faire là-bas, tu vois, il va être mieux que le modèle normalement. Ok, donc bah voilà, on va reprendre un peu les mêmes choses ici, c'est-à-dire qu'on va laisser les 3 blocs de marge de chaque côté. Ok, et on va hop, mettre un sol, un toit plutôt, c'est plus pratique, en herbe. Hop, ok, on fait ça comme ça. Et voilà le résultat. Du coup, on a notre toit qui est avec une partie en vert comme ça. Et on va continuer à utiliser de l'herbe comme ça pour la mettre sur le côté, tu vois, au niveau du premier étage. Ici, sur tout le long du balcon, pour donner comme pour le modèle, tu vois, des côtés comme ça qui donnent un côté un peu plus moderne, tu vois. Donc l'idée, ça va être de prendre 2 blocs par rapport à ici, tu vois. On va prendre le coin à ce niveau là on va compter 2 blocs ici comme ça. À partir du troisième, on va en mettre 2 comme ça, 2 blocs d'herbe, et on va mettre une bande de 2 blocs de large d'herbe sur tout le long ici, tu vois, et sur le côté ici comme ça. Donc voilà, hop, on fait ça rapidement du coup, et on va pouvoir s'arrêter aussi, hop, si j'arrive à poser les blocs qu'il faut, ok. On va pouvoir s'arrêter à ce niveau-là, tu vois, donc avec un bloc de décalage par rapport au bout du truc. Et on s'arrête comme ça, ok. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai rajouté par-dessus? Moi, j'ai oublié déjà. Donc voilà, on va rajouter des demi-blocs comme ça sur tout le contour de quartz. Du coup, on va rajouter des blocs de quartz. Hop, sur tout l'entourage. Ok. Voilà, et on va rajouter après des demi-blocs de quartz par-dessus cet entourage ici comme ça par dessus hein, pour avoir un côté un petit peu plus fin au niveau de notre étage. Et on va faire la même chose au niveau de l'étage du dessus hein, du coup, parce qu'on va pas se priver des bonnes choses non plus, faudrait pas faire que déconner, tu vois. Donc ici là sur le dessus pareil, on va faire, hop, si j'arrive à bien les placer évidemment, des demi-blocs comme ça sur toute la longueur, hop. Et hop, ok, donc j'ai posé n'importe quoi, voilà. Ok, donc on commence à avoir des choses qui se mettent en place, c'est plutôt cool. Tu vois, notre forme de maison, elle commence à prendre... elle commence à prendre ses formes, donc ça c'est cool. Donc du coup, cette fois-ci, on va mettre en place les piliers, tu vois, les piliers en... Alors moi, je les ai pris en quoi? En ardonnette clay, c'est-à-dire en argile dure. Sur Minecraft du coup, et on va placer les piliers comme ça. C'est-à-dire, attends, comment est-ce que je me suis débrouillé? D'accord. On va les mettre à 4 blocs d'espace à ce niveau-là, et à 1 bloc par rapport à l'autre côté. Ok, donc ici, tu vois, on va prendre l'avant de notre maison, d'accord. On va mettre notre premier bloc d'argile dure en gris, du coup, ici sur le côté. Tu vois, à 1 bloc de décalage par rapport au pilier en cobblestone. De l'autre côté, on va prendre 4 blocs, tu vois, de décalage. Et on va mettre... Et il pleut. Tiens, il y a mon anti-pluie qui marche pas. Voilà. Bon, je l'ai réparé. Hop. Alors, du coup, ouais, on va reprendre nos piliers d'argile, comme ça, tu vois. Alors, ici, on va tout péter entre les deux piliers, hein, mais ça va rester là. Alors, on va reprendre notre pilier et on va le mettre par-dessus, tu vois, les blocs en gris, parce que, tu vois, on voit la terre par-dessous. Donc, on va mettre des demi-blocs hein, pour camoufler l'aspect de terre, hein, t'inquiète pas. Et on va faire ce pilier-là sur 2 blocs de longueur, ok. Pareil, de l'autre côté, on va s'aligner avec le pilier ici, tu vois. Hop, je suis aligné ou pas? Non, je suis pas aligné. Ok, donc je vais mettre le pilier ici. Ok. Et du coup, voilà. Alors, au niveau du sol, du coup, maintenant, on va mettre un sol. On va le changer, on va le mettre en sandstone, tu vois.
Ok, parce que je sais pas, ça donne un côté sympa la sandstone. Youp, alors on va s'aligner avec le truc en cobble quand même. Et tu vois tout le bas de la maison, hein, comme ça, jusqu'au niveau de notre pilier en cobble. D'ailleurs, en fait, toute cette façade là de notre pilier, on va l'enlever en fait. On va hop, enlever tout ça. Donc là, on est vraiment sur l'arrière de la maison. Hein. Hop. Donc on va enlever tout ça, ça va nous faire une espèce de trou comme ça, ça va être un peu rigolo. Et donc ici, en sandstone, on va prolonger jusqu'en dessous, tu vois, du pilier. Mais par contre, on ne va pas sur ce côté-là, hein. Sur ce côté-là, en dessous de cette partie-là de la maison, il n'y a rien du tout. Hein. On va laisser de l'herbe un petit peu quand même. Et donc on va enlever tout ça et on va changer le sol en mettant de la cobble. Alors du coup, enfin de la cobble, de la sandstone. Hop. On va reprendre ça sur la longueur et on va la mettre jusque en dessous, tu vois, de notre préau ici, jusque ici, tu vois. Pareil sur la longueur aussi, hein, jusqu'à revenir sur l'alignement avec le pilier en cobble, ici comme ça, et revenir ici. Et donc, tu vois, tout l'intérieur ici comme ça, on va le mettre en sandstone. Voilà. Et bah du coup, pareil aussi au niveau de l'intérieur de notre pilier ici, tu vois, en cobblestone. On va mettre de la sandstone aussi. Hop. Voilà, rapidement. Ok. Alors, du coup, évidemment, maintenant, il va falloir faire une place pour pouvoir entrer entre le pilier, tu vois, en cobble et cette partie-là de la maison. Donc, on va faire une énorme place, tu vois. On va laisser juste deux blocs, tu vois, sur le côté, histoire d'avoir un mur quand même. Un minimum convaincant. Hop, ici on remet hop en machin. Et du coup, effectivement, il va falloir faire des trous pour arriver sur les étages supérieurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va mettre en place les vitres qui vont être extrêmement présentes dans cette maison. Voilà, vraiment, elle est extrêmement vitrée comme maison. Hop, ça c'est clair. Hop, alors du coup, je vais essayer de me positionner sur l'alignement des vitres. Ça va pas être évident. Ouais, j'ai réussi, je suis content. Hop. Voilà, donc on va faire une espèce d'ouverture aussi au milieu du mur. Ok. Voilà. On va laisser une ouverture comme ça paraît pas mal. On va mettre aussi des vitres du coup ici et ici. Hein. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on va utiliser hop, les piliers de cobble, tu vois. Les cobblestone walls, donc les murets de cobble plutôt. Et on va les mettre, tu vois, sur les coins ici, tu vois. On va prendre les coins, on va partir de un bloc en diagonale et on va mettre des piliers comme ça, hop, qui vont venir soutenir l'espèce de préau qu'on a ici. Sauf que si tu remarques bien, le préau là, bah, on voit la terre, tu vois, on voit de la terre au niveau du dessous, bah, ça fait pas terrible. Voilà, on va bien l'admettre. Alors, l'idée avec ça, c'est qu'on va prendre les demi-blocs de quartz, tu vois. Et qu'on va tout simplement les mettre en dessous pour le camoufler. Alors le problème, c'est que comme tu vas le voir, hop, je te montre ça vite fait, c'est que il va y avoir une bande de quartz du coup qui va venir sur le bas du préau, tu vois, et ça va faire un peu bizarre. Donc l'idée, ça va être de transformer ça en une espèce de faux plafond, et pour que ça soit esthétiquement plus joli, c'est-à-dire de remplir toute cette partie-là, là, tu vois, hop, sur la longueur, en demi-bloc aussi, même s'il n'y a pas besoin, hein, techniquement. C'est juste, d'un point de vue esthétique, ça rend un petit peu mieux. Youp, donc on fait ça sur la longueur, vois-tu, ici, comme ça aussi. Hop, et hop. Et tu vois, là, tout de suite, on voit beaucoup moins la partie en terre. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il y en a encore ici aussi, donc on fait la même chose. Pour ce qui est de la terre qu'on voit au-dessus des vitres, ben, ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais vous voyez que quand on se trimballe à l'intérieur de la maison, il faut vraiment se mettre assez proche des vitres pour pouvoir voir la terre. Donc, on est plutôt bien, c'est plutôt un cache-misère, mais ça marche. ça marche, donc c'est bon. Donc on est cool. Alors, évidemment, on va faire la même chose aussi au niveau du haut. Hein. On va mettre de la demi-bloc sur toute la surface. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre des vitres, tu vois, à ce niveau-là, entre évidemment le pilier en cobblestone et sur tout l'entourage de l'étage. Voilà. Alors, juste un truc, effectivement, c'est qu'il faudra laisser une bande d'espace, tu vois, entre la partie en herbe et la vitre ici, tu vois, sur cette partie-là, ainsi que sur la longueur ici. Là, tu vois, il y aura déjà deux blocs d'espace, donc il n'y aura pas besoin d'en rajouter. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi faire
faire la partie ici, là, au moins de la maison. Mettre des vitres à ce niveau-là. Ok, pouf, voilà, magnifique. De l'autre côté, pareil. Hop. Ok. Voilà. Pareil ici, du coup, hein, sur la surface ici, tu vois, on va mettre, à partir de deux blocs de hauteur, on va mettre des vitres comme ça sur toute la hauteur. Hop. Et évidemment, les vitres, après, on va les prendre, on va prendre des blocs complets de verre, hein, ces blocs-là, ok, pour les mettre derrière, à partir de ce niveau-là, tu vois, à partir de l'arrière ici, pouf, on va les mettre des blocs pleins sur toute la longueur, parce que c'est plus rigolol. En fait, non, c'est parce que du coup, effectivement, si on avait mis des vitres plates, bah, ça aurait fait plein de trous dans le plafond, ce qui est pas extraordinaire. Sauf que le problème, c'est que tu vois ici, c'est que quand on met des vitres, bah, c'est vrai que ça peut créer une connexion de texture avec le reste du toit. Alors, c'est vrai que les connexions de texture, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais il y en a beaucoup qui sont un peu des connexions de texture nazies, tu vois, c'est-à-dire parmi les builders modernes. C'est-à-dire que pour eux, dès qu'il y a deux blocs de textures différentes qui sont sur le même plan ici, tu vois, par exemple, entre le verre et la cobblestone, ou entre la terre ici et... Et le quartz, ça te donne des connexions de texture, et pour eux, c'est vraiment... c'est Satan, quoi. Il faut jamais faire ça. C'est pas exactement faux, c'est-à-dire que habituellement, les connexions de texture qui... Il y a certaines connexions de texture qui peuvent être assez sales, c'est-à-dire que tu vois, ici, la connexion entre la cobblestone et le verre, ça fait quelque chose d'un petit peu maladroit. Donc, l'idée, c'est qu'il vaut mieux rajouter des demi-blocs, tu vois, autour de... la cobble pour éviter de faire cette connexion là, mais dans beaucoup de cas les connexions de texture ne sont pas gênantes. Moi, tu vois, par exemple au niveau du quartz et de l'herbe, il y a deux connexions effectivement, sauf que ben pour moi c'est pas gênant, je trouve pas ça gênant finalement. Et pourtant, il y en a qui sont vraiment tellement à fond dans l'idée de connexion de texture qui voient des connexions de texture gênantes partout. Alors que non, toutes les connexions de texture ne sont pas gênantes. Il y en a, mais elles ne sont pas toutes comme ça. Alors c'était vraiment une précision que je voulais faire parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que les connexions de texture, c'est Satan. Non, vraiment les gens, il y a des choses qu'on peut faire quand même. Du coup, voilà, pour en revenir à notre construction, on va mettre l'escalier en place, le magnifique, le merveilleux. Mais d'abord, il va falloir... creuser dans notre truc ici pour savoir où est-ce qu'on va arriver. Ok, donc on va mettre une espèce d'ouverture ici comme ça, on va faire prolonger le sol tant que faire se peut, et de l'autre côté pareil, on va faire une ouverture en prolongeant le sol. Alors voilà, donc pour l'instant on est comme ça, on va peut-être éviter de prolonger ça tout de suite. On va mettre des escaliers, tu vois, des escaliers en quartz ici comme ça, et on va partir de là, c'est-à-dire qu'on va mettre voilà des escaliers qui vont monter jusqu'au truc, hein, tout simplement. Hop, voilà, et on va les faire sur deux blocs de large, ok, ainsi que des escaliers à l'envers au niveau du dessous, ok. Donc là on va prendre les blocs de quartz et on va faire un passage du coup entre les deux parties de la maison pour faire une espèce de pont finalement, tu vois, à l'intérieur de la maison. Alors ici du coup on va pas mettre de quartz, on va rajouter de la cobble et on va même rajouter un espèce de muret par dessus. Ah, quoique, attends, j'ai envie d'essayer les murets de cobble, pouf, comme ça. Ouais, non, c'est moche, c'est très très moche. Donc l'idée, c'est que on va tout simplement mettre du verre, encore une fois, des vitres, hop, comme ça, pour faire un petit peu une barrière. Ok, ça paraît un peu mieux. Ici, pareil. Voilà. Donc, ici, pareil, tant qu'à faire. Tu vois, on va faire un muret ici. Hop. Voilà. Donc là, ça fait propre. Voilà. Je dis beaucoup de fois, voilà. Eh ben, finalement, on a un bon espace intérieur. C'est très, très lumineux, hein. Là, pour le coup, faut pas te balader à poil chez toi, parce que sinon, si t'as des problèmes de vis-à-vis, tu vas le ressentir tout de suite. Voilà, donc on va vraiment s'attaquer aux finitions maintenant, du coup, puisque l'architecture de la maison est finie. On va vraiment mettre les finitions, c'est-à-dire qu'on va, hop, prendre de l'herbe ici, comme ça, tu vois, et on va la mettre sur le toit de la maison, ainsi que sur les bandes de verre qu'on a mis ici. Hop, on va mettre de l'herbe un petit peu partout. Alors, il y en a certains aussi, du coup, qui
qui préfèrent avoir un jardin ou des trucs sur le des jardins suspendus sur les toits ou sur les balcons qui soient vraiment taillés comme les jardins qu'on aurait sur le sol, c'est-à-dire avec un vrai paysagisme travaillé. Moi, je suis pas trop sur cette branche-là. Après, effectivement, c'est une question de point de vue. Mais je préfère quelque chose d'un peu plus naturel, tu vois, que quelque chose qui est vraiment extrêmement taillé. C'est un esthétisme, évidemment, comme un autre. Voilà, donc moi j'utilise assez facilement la poudre d'os pour faire pousser les choses. Il y en a d'autres que ça rebute. Voilà, c'est selon les goûts de chacun. Hop, moi je fais un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire je fais un mélange de quelque chose de très structuré et de poudre d'os. Voilà, moi c'est un peu mon trip. Faites comme vous voulez, je vais rajouter un petit peu de fleurs, histoire que ça fasse joli. Hop. Hop, voilà. Voilà, donc pareil du coup au niveau du bas, je vais rajouter un petit peu de poudre d'os. Et après, je vais rajouter des choses un peu pour faire à ma sauce. Notamment des feuilles que tu vois, on va mettre par derrière ici, tu vois, sur la bande de quartz qu'on avait laissé entre la vitre. Et la bande d'herbe, du coup ici, on va rajouter... Tu vois, des espèces de feuilles comme ça, de temps en temps, pour mettre un petit peu un fond, ok, un fond de verdure derrière les herbes, si tu vois. Moi, je trouve ça sympa. Après, évidemment, hop, pas en mettre trop non plus. Mais voilà. Alors, rajouter quelques fleurs bleues ici. Ok. Pour donner quelque chose d'assez sympa. Et tu vois qu'on avance hein, quand même, on avance. Alors du coup, on va en mettre aussi 2-3 ici sur le côté qui vont tomber, hop, des feuilles comme ça, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste à faire le petit bassin et je crois que c'est tout. Le petit bassin du coup qu'il y a, tu vois, devant la maison ici, tu vois, on va prendre de la nether brick, des demi-blocs de nether brick. Ah oui, alors il y a ça aussi ici sur le côté, effectivement. Alors, on va prendre aussi de la glowstone avec des feuilles. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la glowstone pour mettre un petit peu d'éclairage sur le sol à partir de ce niveau-là, tu vois. Donc, on va prendre 3 blocs d'écart par rapport à la maison. Puis après, tous les deux blocs, on va mettre... Tous les deux blocs, j'ai dit... Hop. Voilà. Tous les deux blocs, du coup, on va mettre de la glowstone comme ça et on va mettre des blocs de feuilles par-dessus. Ok, hop, sur 3 blocs comme ça de hauteur. Et ça va habiller le mur assez bien finalement, c'est assez sobre. C'est très sobre même, mais moi je trouve ça classe. Voilà, tout simplement. Alors ici du coup, tu vois devant notre espèce de pilier ici, on va mettre hop, une espèce de pataugeoire comme ça, en un petit bassin, voilà, creusé dans le sol évidemment. Ok, alors on va pas oublier d'enlever les blocs aussi qu'il y a ici pour mettre des blocs de netherrick ici aussi comme ça. Hein. Hop, ok, pareil sur le côté. Voilà, alors ici du coup on voit de la terre mais c'est en dessous du pilier donc on va enlever les blocs de terre pour mettre des blocs de cobble pour faire croire que le pilier du coup se prolonge dans le sol, évidemment. Et au niveau du bas en fait de notre bassin, on va utiliser... des laines noires en fait. Alors pourquoi des laines noires? C'était parce que en fait j'avais un modèle un peu pour cette maison là, c'était une maison qui existe vraiment. Et du coup il y avait un bassin comme ça qui était assez stylé sur le pied du pilier comme ça. Et c'était vraiment tout noir en fait, c'était très très sombre. Et je trouvais que ça donnait un espèce de contraste avec le reste de la maison qui est plutôt très très lumineuse, qui était assez intéressante à exploiter. Et donc du coup c'est ça que j'ai envie de retransmettre en fait, tu vois, sur cette maison là. Donc voilà, on va mettre de la flotte évidemment, c'est mieux hein, pour un bassin. Et puis voilà, et me semble-t-il qu'on a fini, pas tout à fait encore, il reste 2-3 trucs au niveau du toit à ce niveau là, voilà, des panneaux solaires. Ça fait toujours bien. Hop, du coup voilà, on va se prendre 3 blocs d'écart de chaque côté, tu vois, de la maison. Hop, et ici, on va mettre des panels. Parce que un panel, des panneaux. Non, c'était pas ça. J'ai complètement foiré ma vanne, moi, c'est catastrophique. C'est pas grave. Du fait, voilà. On a notre jolie petite maison moderne qui est très facile à faire, donc qui est faite vraiment pour les débutants. Bon, voilà, il y a...
quelques bons trucs architecturaux à reprendre, donc voilà, éclatez-vous si jamais vous avez envie de modifier cette maison-là dans tous les sens. Je vais vous teaser encore une fois le prochain tutoriel qui va arriver sur la chaîne. Pardon. Et ça sera une maison comme ça, avec, tu vois, des toits en pente, avec des trucs, tu sais, je te montre pas tout, tout, mais voilà, ça sera des trucs assez sympas aussi. Voilà. Sur ce, ainsi qu'un espèce d'immeuble que vous avez vu en fond aussi. Voilà, bref. Sur ce... Moi, je vais pêcher. Pouf! Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot. Et à la prochaine!